Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons commencer dans quelques instants. Et en attendant l'arrivée des autres participants, si vous pouvez écrire dans la boîte de dialogue où vous êtes, vous pouvez aussi prendre quelques instants pour choisir votre langue de prédilection. Vous allez cliquer sur l'icône du globe de votre écran et vous pouvez choisir le canal anglais ou français. Vous pouvez aussi choisir de regarder des sous-titres pendant cette session. Vous allez voir l'icône avec les deux C en bas de votre écran. Pour euh, lancer la fonction de sous-titres, vous pouvez cliquer sur cette icône pour choisir euh, de le mettre en outre. Et pour cacher ces sous-titres, vous pouvez les cacher plus tard en cliquant sur ce même icône. Les sous-titres sont créés automatiquement. C'est une fonction automatique. sur Zoom. Donc, ce n'est pas exact à 100%. Pour l'instant, les sous-titres sont disponibles seulement en anglais. Nous avons partagé quelques questions de sondage et nous vous encourageons à répondre à ces questions en attendant l'arrivée des autres participants. Si vous préférez les lire en français, vous pouvez voir les questions en français sur le partage d'écran et les réponses en français sont sur le sondage lui-même. Veuillez prendre quelques minutes pour répondre aux questions de sondage. Vous pouvez aussi vous présenter dans la boîte de dialogue et vous pouvez aussi choisir de voir des sous-titres. De plus, veuillez. Choisir votre langue de prédilection pour, en bas de votre écran. Merci encore d'être ici, ici avec nous. Avec nous, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Brittany Gotch et je suis chargée de programme au centre de preuve de communication de Johns Hopkins Knowledge Success et heureux de travailler en partenariat avec FP 2030 pour cette série. C'est notre 19e conversation dans la série Connecting Conversations. Si tu as manqué les conversations précédentes, tu peux regarder les enregistrements sur la chaîne YouTube ou vous pouvez lire les récapitulatifs des articles de blog qui incluent des liens d'enregistrement sur le site de Knowledge Success. Cette conversation durera environ une heure. Nous aurons une discussion ouverte de questions et réponses avec nos trois intervenants. Comme je l'ai dit, cette session est interprétée simultanément en français et nous allons l'enregistrer en anglais et en français. Les enregistrements seront disponibles dans les prochains jours. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez sélectionner votre langue en cliquant sur l'icône représentant un globe en bas de l'écran Zoom. Vous pouvez après choisir le canal anglais ou le canal français. Tout le monde devrait sélectionner une langue pour pouvoir écouter tous nos intervenants. Un rappel sur le sous-titrage. Vous pouvez choisir de lire ou non les sous-titres pendant la session. Vous allez voir, vous devrez voir ces sous-titres automatiquement. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez sélectionner en cliquant l'icône avec deux C. Si vous souhaitez cacher les sous-titres plus tard, vous pouvez encore cliquer sur cette icône et choisir masquer les sous-titres. Si vous avez des questions, vous pouvez les saisir dans la boîte de dialogue pendant la conversation. Mes collègues de Knowledge Success seront les modérateurs de la boîte de dialogue et nous répondrons à autant de questions que le temps nous permettra. Si tu te joins à nous pour la première fois, voici quelques informations sur la série Connectée des Conversations. C'est une série de discussions sur la santé reproductive des adolescents, des jeunes, organisée par FP2030 et Knowledge Success. La série a été divisée en cinq thèmes. Nous avons commencé par un examen de la compréhension fondamentale du développement et de la santé des adolescents. Nous avons poursuivi nos conversations en explorant l'engagement des influenceurs critiques. Notre troisième thème s'est concentré sur les services adaptés aux adolescents et notre quatrième thème a exploré l'atteinte des populations clés des jeunes. Et nous sommes ravis de continuer avec ces conversations avec euh, certaines des tendances émergentes et des approches transformationnelles. Aujourd'hui, nous avons en conversation sur la mise en œuvre d'approches multisectorielles. Nous allons continuer avec nos questions de sondage. Si nous pouvons afficher les réponses. Voilà la première question. Lorsque je pense à une programmation multisectorielle en matière d'SSRG, je pense à une programmation qui s'associe ce sujet avec. Et pour... Cette question, vous aviez l'occasion de choisir plusieurs réponses. Il y avait ceux qui ont identifié plusieurs secteurs l'éducation, le financement, l'environnement, le logement. Deuxième question j'ai déjà utilisé une approche multisectorielle dans mon travail lié à la SSRG. La par la majorité d'entre vous, 63%, ont choisi que oui, vous l'avez déjà utilisé cette approche. Troisième question la programmation multisectorielle est importante afin d'assurer que tous les besoins des jeunes sont satisfaits, y compris les besoins en SSR. La majorité d'entre vous ont dit oui. Et maintenant, j'ai le plaisir de présenter notre modératrice. Sian Orji est directrice de Girl Up, une fondation des Nations unies. Elle travaille pour assurer que les filles deviennent une force pour le changement mondial. Elle a 20 ans, plus de 20 ans d'expérience dans le développement international et la santé mondiale, avec un accent sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles et des femmes. Avant de rejoindre Girl Up, Sia était directrice du programme 3D pour les filles et les femmes. Elle était une consultante en matière de genre à l'UNICEF et rédactrice principale pour les programmes du réseau de développement Aga Khan. Sia est co-présidente du groupe de travail sur l'apprentissage du mouvement pour le développement communautaire et elle est membre, elle est euh, chercheure de 2021 avec euh, Women Lift. Elle travaille au Centre d'innovation en santé mondiale de l'Université de Stanford. Ayant la double nationalité kenyan et américaine, Sia est titulaire d'une maîtrise en services sociaux et d'une licence en sociologie du Bryn Mawr College. Sia, vous avez la parole. Merci beaucoup, Brittany. Quel plaisir d'être ici avec vous tous. Et avec nos invités distingués. Je vois dans la boîte de dialogue que nous avons vraiment un public international. J'ai le plaisir de vous présenter nos panélistes pour ce, cette conversation sur la programmation multisectorielle pour la santé reproductive des jeunes. Première panéliste, André Padilla, qui est gestionnaire de programme à la Fondation internationale pour la jeunesse. Elle a rejoint l'organisation en 2012 dans le cadre du programme Youth Work Mexico, une initiative financée par l'USAID visant à prévenir le crime et la violence dans sa ville natale de Ciudad Juarez au Mexique. Avec cette organisation, elle a travaillé sur des programmes d'éducation, de changement de système et de développement de la main-d'œuvre. Elle a beaucoup d'expérience de la collaboration en travaillant avec les jeunes pour le développement, la formation, l'éducation, le placement professionnel, l'inclusion, la santé, le leadership, le mentorat, les compétences de vie, la technologie, entre autres. Andrea a obtenu un maîtrise en enseignement supérieur de l'Institut de Monterey. L'orateur suivant est Josephat Michigati, conseiller technique régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe sur la résilience au climat dirigée par les femmes de Pathfinder International. Est, elle est spécialiste de la gestion du développement avec près de 14 années d'expérience pratique à tous les niveaux du programme politique et plaidoyer au niveau local, national, régional et global. Elle a coordonné des programmes sur toute une série de secteurs, y compris la santé démographique et l'environnement, la prévention de la violence sexo-spécifique, euh, le l'accès des femmes à la propriété foncière et aux ressources foncières, la sécurité alimentaire et la nutrition, pour n'en mentionner que quelques-uns. Il est titulaire d'une maîtrise en gestion du développement et d'un BA en sciences politiques, éducation et, et formation. Et enfin, mais non des moindres, j'ai le plaisir de vous présenter Mme Metsehete Ayene Koulou, qui est le directeur pour les programmes de SSRAJ pour Population Service International en Éthiopie. À PSC Éthiopie, elle est responsable de nombreux programmes, notamment le programme RISE, la feuille de route pour l'intégration des débuts intelligents en Éthiopie. Elle est à la tête d'une équipe dynamique et très nombreuse pour l'élaboration et la mise en œuvre d'autres projets financés par différents bailleurs de fonds. Elle a fait preuve d'un leadership robuste dans les processus d'élaboration et d'amplification de de l'innovation uh, Goalkeepers 2000, 2019, connu comme uh, début intelligent, Smart smart, smart Start, qui euh, euh, dessert les jeunes femmes mariées de 15 à 19 ans en Éthiopie rurale, la première euh, d'une lignée d'enfants, de, euh, de jeunes jeune filles mariées. Sa vision de la vie est de voir l'éducation, l'éradication du mariage des enfants dans sa génération. Elle est un avocat passionné, ce qui ne surprendra personne, pour les droits de, de santé euh, sexuelle et reproductive à toutes, pour tous, en particulier pour les jeunes filles. Bienvenue à tous. Je suis ravie que nous ayons cette conversation sur un sujet aussi important la programmation SSRAJ multisectorielle, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi c'est important. Comme je l'ai dit, c'est un sujet important et lorsque nous parlons à ces approches multisectorielles pour la SSRAJ, cela peut veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Donc, j'aimerais que chacun d'entre vous nous indique, sur la base de votre expérience euh, dans vos différents secteurs, ce que l'on entend par programmation multisectorielle, et ce, pour chacun d'entre vous. Et j'aimerais commencer dans l'ordre inverse et commencer par vous, par vous Metséhat. Merci, Sia, de ces paroles aimables de présentation. J'espère que tout le monde peut m'entendre. Je viens de PSA et je travaille à l'heure actuelle sur un programme d'adolescents 360 concernant la création de Smart Start. Permettez-moi de vous conter une anecdote de notre voyage alors que nous élaborions ce programme. Même si notre programme prévoyait au début d'appuyer les jeunes de 15 à 19 ans à avoir accès à la contraception et aux services de santé sexuelle et reproductive, ce n'est pas par là que nous avons commencé. À notre grande surprise, les gens nous ont dit que lorsqu'on leur parlait, que lorsqu'on leur demandait ce qu'il en était de leur expérience, le, la communication avec Metzagete vient de s'interrompre. On va lui donner quelques instants pour voir si la communication se rétablit. Peut-être pouvons-nous passer à vous, Andrea, pour que vous répondiez à cette question fort vaste et fort ambitieuse. Est-ce que Metzagete est de retour? Oui, elle est là. Oui. Alors, re recommençons avec Metzagete. Par exemple, les jeunes filles et les femmes dans les communautés autour d'entre nous euh, apprécient l'éducation, mais pour eux, ce n'est pas quelque chose de vraiment crucial pour les filles. Pour eux, euh, les, ils, ils voient que les grands diplômés dans leur village ne, sont pas, euh, ne travaillent pas dans le secteur où ils ont travaillé. Et puis, ils nous disent euh, que cette technologie ne ne fonctionnent pas chez eux, leur environnement se fragilise, ce qui renforce leur vulnérabilité. Lorsque l'on rassemble tous ces éléments, ce que nous en avons tiré, c'est que, que vos priorités soient la SSRJ ou euh, l'éducation, à moins que vous ne prévoyez un programme intégré avec des approches multisectorielles, vous n'allez pas toucher ces jeunes leur situation est différente et ils demandent un, une programmation qui les considère comme les principaux intervenants donc collaboration multisectorielle qui demande que l'on prenne en considération leur rôle en tant que les intervenants principaux, les décideurs pour leur vie, les spécialistes, les experts en fonction de leurs valeurs et de leurs besoins et de leurs convictions. Donc pour moi, une approche multisectorielle implique tout ceci. Lorsque je vois le travail, je me souviens de ce de l'appel qui avait été lancé à l'ensemble du secteur du développement pour élaborer un processus mis en œuvre en faisant venir les jeunes au centre au lieu de nous enfermer, nous, dans nos secteurs respectifs. Je vous remercie, Sia. Merci, Metzahed, de nous avoir rappelé que les utilisateurs de, notre, de nos services devraient être au cœur de nos programmes. Et lorsqu'on les écoute, l'on comprend que nous ne pouvons pas opérer en vase clos dans des tours d'ivoire, parce que ce n'est pas comme cela que fonctionne leur existence. Donc, merci de ce rappel fondé sur votre expérience fort riche. Andrea, à vous. Avec votre expérience sur tant de sujets et tant de domaines du développement, qu'est-ce que c'est que la programmation multisectorielle, selon vous? Merci, je suis très flattée et honorée d'être avec vous. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un expert de la santé sexuelle et reproductive de manière spécifique. Depuis neuf ans, j'ai travaillé sur la, les programmes concernant les jeunes et leurs vulnérabilités en Amérique latine. Et selon mon expérience dans ce sujet, je dirais que. La programmation multisectorielle implique deux éléments. Tout d'abord, il est nécessaire que nous sortions de nos bulles, que nous Collaborions avec les autres, avec d'autres secteurs, avec d'autres parties prenantes. Deuxièmement, nous devons appliquer la réflexion de notre système sur une base de réflexion holistique, à savoir identifier les problèmes sur lesquels nous travaillons, les populations avec lesquelles nous travaillons, notre rôle dans le système et quels sont les autres intervenants stratégiques éventuels dans ce contexte. Par exemple, je peux vous faire part très rapidement de notre expérience dans un programme que nous avons mis en œuvre il y a quelques années au Mexique. Nous étions à Tijuana, au nord du Mexique, et notre rôle était de nous concentrer sur la formation professionnelle pour les jeunes qui avaient besoin d'opportunités. Le programme s'appelait ORALE. Le programme était censé se fonder sur des approches par les pères pour aider les jeunes à trouver du travail ou à continuer leur éducation. Mais nous avons découvert que ces jeunes nous disaient. Lorsque nous commençons à travailler avec des jeunes euh, au, au niveau des programmes euh, de potentiel d'emploi, ils nous parlaient de relations euh, abusives, de grossesses précoces, euh, de toxicomanie, d'alcoolisme et d'autres comportements à risque. Nous nous sommes donc posé la question de savoir comment pouvons-nous être efficaces dans le contexte de ce défi très sérieux pour... Euh, Aider les jeunes ou, du moins, mieux les aider. Ce n'était pas notre secteur d'expertise, certes, mais c'était à n'en pas douter un facteur qui avait un impact négatif sur la réalisation de nos objectifs. Nous avons donc, identifier une ONG euh, locale qui était spécialisée dans le secteur de la ssr -AGI. Nous avons décidé d'intégrer euh, les filtres par genre et par euh, besoin euh, de, de reproduction sexuelle et de planning familial parce que nous savions que nous avions besoin de nous, penser, de nous pencher sur tous ces vastes défis qui minaient le potentiel de notre jeunesse. C'est comme cela que nous avons commencé dans ce programme particulier à réfléchir comment nous pouvions appliquer les, une approche multisectorielle et ne pas nous limiter de travailler avec les employeurs, les entreprises pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes, mais qu'il fallait en plus que nous nous attelions à cette question de santé sexuelle et reproductive et des services et de l'éducation y afférentes en particulier pour les jeunes cherchant du travail même si ce n'était pas connecté à l'éducation ou à d'autres systèmes les entoient. Je vous remercie, Andrea. C'est une excellente remarque. En effet, nous ne sommes peut-être pas des spécialistes ou des experts en tout. Personne ne peut l'être, mais nos partenaires stratégiques doivent l'être. Et grâce à ces partenariats, nous pouvons examiner toute la gamme des questions que nous soumettent les jeunes de manière systémique, systématique et holistique. Josaphat, vous avez travaillé dans tant de secteurs. Alors, lorsque vous réfléchissez à la programmation multisectorielle, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Merci infiniment. J'aimerais pour commencer dire qu'une analyse exhaustive des besoins humains révèle que ces liens sont liés les uns aux autres. Et lorsque l'on parle des questions frappant les communautés et les membres des communautés. ces défis sont également liés les uns aux autres. pour trouver une solution, il est nécessaire d'aborder les sujets et les problématiques de manière holistique. j'aimerais vous donner, si vous le permettez, un exemple d'un programme réalisé par pathfinder dans la région de l'afrique de l'est. Pour une approche intitulée Population, Santé et Environnement, ou PSE. Nous travaillons dans une zone très isolée, dans des communautés elles-mêmes très isolées, où les gens s'en remettent à l'environnement pour, pour répondre à leurs besoins. Il y a des réserves, une réserve naturelle du, Mahale, du Parc national de Mahalé. Généralement, les gens vivent du lac ou s'ils ne tirent pas suffisamment du lac, ils doivent récolter dans les zones protégées. Les, les organisations de conservation euh, se battent pour les en empêcher, en se mettant du côté du gouvernement. Euh, mais les destructions des forêts continuaient parce que les besoins humains n'étaient pas satisfaits. De même, des organisations de santé comme Pathfinder disaient :« Ok, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la SSRG ?» Mais les besoins de ces personnes ne sont pas satisfaits dans ce secteur. Il a fallu organiser des discussions avec ces communautés en collaboration avec le gouvernement, avec les organisations de conservation, dont le Nature Conservancy, pour essayer de déterminer quels étaient les grands défis auxquels ils étaient confrontés dans ces secteurs. Qu'avons-nous découvert? Eh bien, qu'il existait un grand nombre de défis qu'il y avait beaucoup d'abandon scolaire pour les filles, euh, pour euh, d'autres pour euh, aller pêcher, pour euh, euh, nous, se nourrir, nourrir leur famille. nous avons aussi découvert qu'il y avait beaucoup de cas où les jeunes filles n'étaient pas scolarisées de manière régulière, problème d'accès aux services de planification familiale limité en raison de la culture. Euh, et on s'est aperçu que la question de la sécurité alimentaire était aussi un gros problème dans cette région. Et bien sûr, les effets du changement climatique qui impactaient de manière considérable les prises de, de pêche donc il y avait toute une série de défis. il était difficile pour nous de dire nous allons fournir des services de ssr AJ, alors que les besoins des gens n'étaient pas satisfaits par ailleurs. donc de concert avec des organisations de santé, les membres de la communauté, les organisations de conservation de la nature euh, et d'autres et faisant intervenir les différents secteurs le secteur de la pêche, le secteur forestier, le secteur agricole, pour essayer de trouver un programme conjoint, un programme commun qui réponde aux besoins d'une manière holistique. C'est ce que nous appelons la programmation multisectorielle. C'est ainsi, du moins, que je l'aperçois dans mon contexte. Vous avez la parole. Merci, Joseph. Une question de suivi. Vous avez déjà répondu un peu à cette question. Mais qui sont les parties prenantes clés qui devraient être impliquées dans la programmation multisectorielle? Vous avez parlé de certains secteurs, mais comme vous avez déjà travaillé au niveau international, national, régional, local, quels sont les bons points d'entrée pour faire rassembler ces secteurs? Je pense que dans le contexte de l'Afrique de l'Est, une approche qui devrait, ou les, les parties prenantes qui devraient être impliquées, sont des, des bénéficiaires. Ce sont les personnes qui connaissent le mieux leurs besoins, qui peuvent identifier des bonnes solutions et qui répondent à leurs besoins. Autre partie prenante, le gouvernant. Le gouvernement, parce que le gouvernement est souvent euh, celui qui euh, s'occupe de la prestation des services. Donc le gouvernement devrait faire partie de ce processus. Et dans notre contexte, parlons du niveau du district. Au niveau du district, nous avons euh, certaines équipes, euh, ceux qui s'occupent de la santé, ceux qui s'occupent de, des communications. Et ce sont des, des personnes clés dans la conception d'un programme. Après, il faut passer à, au prochain niveau, au niveau national. C'est le niveau où on, est, on peut prendre des décisions. On peut allouer les fonds. Il faut travailler avec le ministre des Finances, le ministre de la Santé le ministre qui s'occupe des ressources naturelles, même le ministre de l'autonomisation des femmes. C'est avec ces personnes, avec ces ministres, qui peuvent, peuvent présenter des arguments pour un tel budget devant le Parlement. Parfois, nous savons que le budget national n'est pas adéquat. Et c'est à ce moment qu'il faut regarder à l'extérieur. Il faut trouver d'autres partenaires avec lesquels nous pouvons travailler. C'est à ce moment que nous essayons d'identifier les organisations avec lesquelles nous pouvons travailler. Et nous, à ce point, il faut parler avec la population pour, euh, pour reconnaître leurs besoins. Nous ne sommes pas des experts de, de la pêche. Nous ne sommes pas experts de tous les secteurs, mais nous pouvons travailler avec les organisations dans ces secteurs. Par exemple, si nous avons une organisation qui travaille avec euh, les programmes de, de pêche, ce sont des experts, nous pouvons travailler avec eux pour euh, participer à ces programmes, pour être impliqués dans les programmes, pour travailler avec les communautés, pour assurer la pérennité de nos programmes. Oui, et je pense que vous avez bien définie comment nous devrions travailler avec euh, tous les niveaux du gouvernement, avec les euh, organisations euh, différentes euh, de la société civile et oui, bien sûr, euh, toujours au cœur de nos programmes, euh, la population, les bénéficiaires. Mathieu, pensez-vous qu'il y a d'autres parties prenantes euh, auxquelles nous devrions euh, faire plus attention en, dans le développement de nos partenariats? Merci beaucoup, Sia. Je pense que nous avons tout dit déjà, mais pour répondre à la question, j'aimerais dire qu'il faut reconnaître la diversité de, des populations jeunes. J'aimerais aussi souligner les, les situations différentes des jeunes. Il y a des jeunes qui sont scolarisés, des jeunes qui ne fréquentent plus l'école, des jeunes, des jeunes qui sont déplacés. Donc je sais que les besoins pour chaque groupe est différent et quand nous avons des programmes qui sont conçus de leur perspective, les programmes qui mettent ces jeunes au cœur des programmes, c'est là où euh, nous pourrons mieux comprendre les besoins des, de ces populations, mais il faut reconnaître que le contexte varie vraiment d'un endroit à l'autre. Merci beaucoup, Metset. Et oui, vous avez raison, chaque contexte est complètement différent. Quand nous pensons aux parties prenantes, dans chaque contexte, oui, vous avez raison, ce sont les parties prenantes et les bénéficiaires qui peuvent mieux identifier les programmes nécessaires. Andrea, vous travaillez avec le développement des jeunes, une partie prenante qui n'a pas encore été mentionnée, le secteur privé. Est-ce que le secteur privé devrait-on penser à ce secteur comme partenaire dans cette programmation? Merci, Sia. Oui, je crois qu'il est très important de travailler avec le secteur privé et euh, les employeurs. Avec euh, ces acteurs, euh, vous pouvez avoir quelques indices euh, euh, sur comment euh, impliquer, comment intégrer les programmes de, de SSR dans les, les programmes existants. Par exemple, le secteur privé peut vous donner un certain soutien en accordant des occasions aux jeunes, des opportunités d'emploi, par exemple. vous pouvez aussi, avec mieux comprendre pourquoi, il est important d'avoir ces programmes holistiques ou vous pouvez intégrer la santé sexuelle et reproductive dans des programmes. Il y a des employeurs qui ont du mal à embaucher des jeunes. Donc, il y a des, des employeurs qui aimeraient bien employer de jeunes femmes. Et euh, ces employeurs euh, parfois font face à quelques difficultés. À embaucher ces femmes. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons. Nous savons qu'il y a plusieurs raisons. Nous l'avons tous vu dans notre travail avec les jeunes. Donc avec euh, ces informations, vous avez des bonnes raisons pour lesquelles il faut fournir de meilleurs services dans vos programmes. Merci. Je pense que vous avez tous présenté de très bons arguments pour lesquels il est très important d'intégrer la planification familiale et la SSR dans des programmes multisectoriels. Prochaine question. Y a-t-il des théories de changement de comportement qui peuvent influencer la programmation multisectorielle et comment euh, pouvons-nous répondre à, à, à ces questions avec euh, la conception de nos programmes. Josephette? Merci beaucoup. Avec euh, nos programmes, le changement des comportements est une étape euh, essentielle. Ce qu'il nous faut pour réaliser nos objectifs de SSR pour les jeunes et pour les femmes, il faut avoir plus de changements de comportement. Il faut améliorer la communication sur le changement de comportement. Avec ceci, nous pouvons améliorer nos résultats. Ceci est quelque chose que nous ciblons avec nos programmes. Il faut aussi avoir des, des formations, des apprentissages de temps à autre. Et ceci peut influencer la conception d'un programme. Nous avons tous les résultats souhaités. Il faut en fait que ces résultats souhaités soient partagés par toutes les organisations. Ce que nous faisons de temps à autre ici en Afrique de l'Est, il faut se rassembler, se réunir avec les membres de la communauté, avec les acteurs gouvernementaux pour analyser quelles leçons avons-nous tirées, quels sont les résultats souhaités, quels sont les grands défis et comment relever les défis. Nous, avons, nous faisons des, des examens, des analyses et des rapports où nous parlons des théories de changement, nous parlons des indicateurs de, de changement. Nous avons des évaluations à mi-parcours et nous essayons de regarder ces indicateurs. Pour des indicateurs de santé, nous avons identifié voilà ce qui a bien fonctionné les connaissances de la planification familiale parmi les jeunes s'est améliorée, et nous avons vu aussi des changements dans la taille des familles. Cette taille a stagné pour les six dernières années. Donc, nous essayons d'identifier les personnes qui veulent plus de cet enfant, de grandes familles. Souvent, c'était des parents de plus de 40-45 ans. Et avec ces informations, que faut-il faire? Nous avons choisi de d'accroître les programmes pour les jeunes parce que si nous pouvons changer le comportement des jeunes, nous allons influencer les résultats de SSR pour des années à venir. Donc nous nous avons réuni avec les autres parties prenantes pour discuter de ces résultats souhaités et de ces objectifs et comment euh, achever euh, ces objectifs. Et nous avons identifié les prochaines étapes. Merci, Josephat, et merci d'avoir souligné l'importance d'un changement de comportement et le fait que nous sommes tous en train d'apprendre euh, pendant euh, la mise en œuvre de ces programmes. Andrea, j'aimerais euh, retourner à ce que vous avez dit, en euh, fait qu'il faut penser au niveau des systèmes et quels sont les théories que vous avez utilisées, qui ont réussi. Merci, Sia. Le changement des systèmes est un objectif particulier de notre travail. Nous commençons avec la conception des programmes en utilisant cette approche. Nous commençons en pensant aux solutions. Après, nous avons une cartographie des systèmes. Existant les systèmes qui sont autour de notre population cible. Ce n'est pas un processus très simple. Nous commençons au début de la conception du programme et nous continuons tout au long de la mise en œuvre, l'évaluation et la, la fin du programme. Il nous faut identifier qui sont les acteurs dans chaque secteur avec lequel, lesquels nous travaillons, quelles sont les incitations. Il faut parler avec cette population dans quelle langue. Je ne parle pas de l'espagnol, de l'anglais, mais il faut faire attention à notre langage. Il faut apprendre en tant qu'organisation. Comment communiquer avec notre population cible. Donc voilà ce que nous avons fait à, à YFF. Nous reconnaissons que c'est une occasion non seulement de s'attaquer à une question spécifique, pour nous, ce sont des questions d'emploi pour les jeunes, mais il faut aussi euh, prendre l'occasion d'identifier les acteurs qui peut-être ne font pas partie de notre secteur, mais qui, l'implication desquels pourrait être stratégique pour nous et qui peuvent encourager des meilleurs services et de meilleurs résultats pour les jeunes. C'est très intéressant. Andrea, je suis curieuse j'aimerais bien savoir qui sont les parties prenantes qui, qui vous a surpris, qui est un acteur inattendu, que vous ne pensiez pas euh, pourrait participer à vos programmes. Enfin, selon vos analyses. Bon, je dirais que peut-être... C'est une question difficile. Je n'ai pas réfléchi à, à qui cela pourrait être, mais peut-être euh, parfois, c'est parfois les puissants industriels. Vous savez, ces acteurs sont, c'est comme je l'ai vu dans des commentaires, ces acteurs sont à but lucratif. Alors quel intérêt aurait-il à s'impliquer avec une ONG, avec nous Il est donc très intéressant de travailler avec eux et de voir qu'ils ont un intérêt honnête à aider les jeunes à obtenir de meilleures opportunités, et non seulement en termes d'éducation et d'emploi, mais aussi en relevant les défis liés à la santé sexuelle et reproductive. Car, comme je l'ai déjà dit, s'ils s'impliquent afin de nous aider avec nos initiatives, ils soutiendront non seulement leurs entreprises en ayant des jeunes mieux préparés et mieux bon, mieux préparés à les rejoindre mais aussi toute la communauté bénéficiera du travail qui font. Merci. Merci. Oui, je me souviens que lorsque je travaillais pour un programme sur la santé et l'éducation des adolescentes, nous avons rapidement réalisé, et cela nous a pris par surprise, que nous devions impliquer le secteur des transports publics, parce que c'est ainsi que les jeunes accédaient aux services. Et j'ai toujours l'impression que ces surprises peuvent être les partenariats les plus fructueux une fois que tout le monde est à bord. Une fois que tout le monde est impliqué, tout le monde accepte, tout le monde a cette vision partagée, à ce moment-là, tout va bien. Euh, une mention sur une évaluation et la mise en place de résultats identifiés. Matsahet pourriez-vous nous dire... Comment nous évaluons les partenariats entre les secteurs et comment, en tant que secteur, nous rassemblons, travaillons ensemble, apprenant à travailler ensemble, nous identifions notre vision commune. Comment nous pouvons-nous pouvons nous tenir responsables les uns les autres? Merci. Pardon, j'ai dû couper ma vidéo. C'est un problème de débit. Dans notre cas, pour que l'approche multisectorielle marche mieux, il faut qu'il existe un mécanisme de corrélation robuste. Ce mécanisme doit bénéficier de soutien, de lignes de responsabilité et de contenu clair et avoir un cadre de responsabilisation. Bien souvent, c'est la coordination d'un travail ou d'une culture de travail ensemble n'est pas appréciée par tout le monde. Certains d'entre nous ont une expertise en la matière et considérons notre secteur comme le plus important. Nous nous en vantons même parce que nous pouvons en résoudre les problèmes de l'humanité tout entière. Mais ce n'est pas, pas le cas. Donc, pour que nous puissions bien comprendre la valeur des interventions de chacun, il faut que nous comprenions euh, notre rôle dans cette collaboration. Et en même temps, nous devons être tenus responsables. Et cela peut être fait de différentes manières. Selon moi, tomber d'accord sur les indicateurs, par exemple, est un bon départ. Parce que sinon, cela peut demander trop de ressources. Mais si un indicateur doit être utilisé, si sa valeur ajoutée au système et au processus est claire, un des intervenants a parlé de sa, de sa motivation, je crois que c'est Andrea, quelle est la motivation du secteur privé pour intervenir dans le domaine de la SSRJ Eh bien, ces incitations doivent être claires et elles doivent être tangibles et quantifiables. Voilà le problème que j'identifie lorsque nous élaborons euh, des programmes d'intégration. Nous nous heurtons à ce problème euh, précamment des engagements significatifs. Comment euh, mesurer les résultats parce que nous sommes d'accord en principe, mais ça ne veut pas dire que dans la pratique nous fonctionnions toujours la main dans la main. Il y a des questions qui se posent. Les données sont importantes et elles doivent être mesurées euh, à l'aide de différentes approches. Je vous remercie. Oui, Metsahete, je. Je suis très heureuse de vous entendre vous concentrer sur les rôles et responsabilités claires de chacun et la responsabilisation de chacun. Je voulais revenir vers vous, Joseph. Hatt. Vous avez parlé d'une élaboration conjointe euh, en termes d'évaluation, notamment. Pensez-vous qu'une mise en, en application conjointe est nécessaire pour euh, la programmation euh, commune ou bien est-ce qu'il vaut mieux que chacun aille faire son travail et qu'après on rassemble ses expériences? Quelle a été votre expérience en la matière? J'ai travaillé dans différents scénarios où. Tout le monde planifie ensemble et puis après travaille séparément. Et d'autres cas où nous planifions ensemble et nous mettons en œuvre ensemble. La mise en œuvre commune présente un certain nombre d'avantages fondés sur le contexte. Lorsque l'on travaille avec des zones très isolées, et nous avons des, des collègues de différents secteurs, y compris des, des administrations gouvernementales. Nous, sommes arri nous arrivons jusqu'à un village, nous avons les, responsabilités, les responsables sanitaires qui sont là, les responsables du travail de la conservation, et cela nous permet de rationaliser l'utilisation des ressources s'ils utilisent des transports communs. Euh, donc, nous économiser, par exemple, du carburant, euh, ce qui n'est pas négligeable. Et en fait, on s'aperçoit que les besoins de tout un chacun sont liés. Donc, lorsqu'il y a des gens qui vont dans les communautés parler euh, aux jeunes de la culture, de leur engagement, dans la sécurité, il y a un médecin qui vient leur parler de questions liées à leur santé, euh, la contribution à, aux résultats en termes de SSRAJ, à ce moment-là, nous avons un avantage au niveau de cette mise en œuvre conjointe qui présente davantage de bénéfices qu'une mise en œuvre parallèle. L'utilisation des ressources dans le cas d'une mise en œuvre parallèle, parallèle n'est pas très rationnelle. On va dans le même village, on voit les mêmes gens, mais on les voit à des moments différents. Ces gens d'autres responsabilités, ils finissent par trouver cela pesant, tous ces gens qui leur posent des questions, mais pas au même moment. Et si la relation n'a pas fonctionné naturellement très bien ou n'est pas suffisamment robuste, les, gens vont, les responsables de la conservation vont aller travailler dans leur secteur sans parler de santé, les responsables sanitaires ne vont pas parler des pêcheries, Et, alors qu'une mise en œuvre conjointe permet de renforcer la culture d'une compréhension par chacun du travail de l'autre de sorte que si un représentant n'est pas là, d'autres peuvent en parler. Par exemple, les responsables des pêcheries peuvent parler de la, du rétablissement de l'écosystème. Donc, c'est là que l'avantage la, de, de ces grands partenariats, et je pense qu'une mise en œuvre conjointe est certainement plus bénéfique pour tous. Merci, Josephat. Merci de nous avoir expliqué comment la mise en œuvre conjointe accroît l'efficacité et permet d'atteindre les objectifs stratégiques qui est la création d'une approche vraiment multisectorielle. Il nous reste cinq minutes avant la fin de notre conversation. Ce n'est jamais assez long, mais je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère à nos trois intervenants qui ont chacun soulevé des questions d'une grande importance pour les, les programmes de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents que nous devons examiner. Nous avons mis l'accent sur l'importance et la valeur des partenariats stratégiques, la création de systèmes et la compréhension de la manière dont les différents éléments s'imbriquent, voir quels sont les éléments qui peuvent mener à une vision commune, une vision partagée, comme l'a dit Josephat. Ceci peut vraiment déboucher sur une mise en œuvre conjointe stratégique bénéfique. Andrea, votre spécialisation dans le développement de la jeunesse a mis l'accent sur le fait que nous n'avons pas tous besoin d'être experts dans la santé sexuelle et reproductive, mais lorsque nous travaillons avec des jeunes, la question va être posée et nous devons être prêts à y répondre. Et je tiens à conclure en revenant à l'un des premiers points mentionnés par Metsahet, qui est que nous avons besoin d'écouter les jeunes, de les placer au cœur de nos programmes. Lorsque nous le faisons, nous apprenons que nous devrions aborder ces questions, comme vous l'avez tous dit, de manière. Holistique, parce que c'est ainsi que leur vie se déroule et c'est donc ainsi que nous pouvons au mieux les aider. Je vous remercie uh, Andrea, Josephat, Metzahed de vos contributions remarquables. Merci à notre audience pour toutes vos questions incroyable. Merci à Knowledge Success et FP euh, 2030 et Knowledge Success d'avoir accueilli ces, euh, ces conversations merveilleuses. Ça a été un plaisir pour moi de me retrouver avec vous aujourd'hui. Brittany, à vous la parole. Je vous remercie, Sia. Merci à tous de votre engagement dans cette discussion profonde. J'aimerais remercier notre modérateur et nos intervenants de s'être joints à nous aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, je vous remercie tous de vos excellentes questions. Nous allons poster, envoyer un enregistrement de la séance d'aujourd'hui. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour notre prochaine conversation qui aura lieu le 11 novembre à 7 heures, heure de la côte est des États-Unis, où nous étudierons la manière d'élargir, d'étendre la portée des programmes de SS. Nous vous encourageons à suivre FP 2030 et Knowledge Success pour demeurer informés sur les ressources, les activités et les événements à venir. Encore une fois, merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci de cette excellente conversation et nous vous rendons rendez-vous à tous le 11 novembre.